Eh bien, bonjour pour l'ouverture de cette semaine mensuelle avec, vous le voyez, un temps un peu incertain. Nous sommes place des Jacobins au Mans pour cette première journée qu'on appelle traditionnellement le pesage, avec aujourd'hui deux personnages importants de la cité, puisque passe aujourd'hui au pesage la Pescarolo du grand Henri, celui que tout le monde connaît, qui construit ses voitures ici, ainsi que celle de Jacques Nicolet, le Haut Cressing, qui lui a quatre voitures qui sont des Pescarolo un peu améliorées, un peu différentes. Mais en tout cas, ça y est, c'est parti, les trois coups sont donnés au monde. Tout le monde sait que les diesels sont outrageusement favorisés, donc il y en a 6 d'usine, plus la Peugeot d'Oreca. C'est des voitures qui sont extraordinairement plus puissantes que les nôtres. Donc, on va essayer de faire comme au Castellet, comme à Spa, sans faute. Ce sera dur avec le temps qu'on va avoir. Donc, j'ai 3 pilotes très expérimentés, une équipe très expérimentée, une très bonne voiture. Donc, il faut faire un sans faute. Essayer d'être, comme depuis le début de l'année, la meilleure voiture essence. Essayer de récolter ce que voudront bien nous laisser les diesels. Donc, c'est quand même un beau programme. L'équipe est basé au Mans depuis le début de l'année, donc c'est assez récent. Pour Haut Cressing et pour nous, ça a été un réel changement aujourd'hui d'être devenu déjà constructeur à part entière. Haut fabrique ses voitures. Voilà, et maintenant on passe en LMP1, donc la grande catégorie contre Peugeot, Audi qui sont très grands constructeurs. Donc, c'est sûr que le challenge sera encore plus relevé. Mais bon, c'est un défi qu'on s'est lancé. On y croit, on travaille énormément. Début de l'année était un petit peu compliqué avec divers incidents, mais aujourd'hui, tout est revenu dans l'ordre. Je pense qu'on a un très gros potentiel et j'espère que ça va concrétiser et qu'on va pouvoir le montrer au Mans.